Petite vidéo. Qu'est-ce que j'ai? J'ai une Pandora's Box à ouvrir. Alors, j'en ouvre pas souvent. Quand j'en ouvrirai, ben, ça fera une petite vidéo. En espérant que je puisse vous montrer quelque chose de sympa. Donc, j'avais donc une Pandora's Key. Je voulais en acheter qu'une seule. Finalement, j'en ai acheté deux parce que je me suis trompé dans les boutons. Ça, vous l'avez vu. Je pensais avoir une Pandora's Box au lieu d'un équipement. En fait, j'ai bien eu l'équipement, mais sauf que le mail est arrivé un peu en retard. Normalement, ça arrive, c'est assez rapide. Vous achetez l'objet devant la CAFRA, vous revenez, vous sortez du bâtiment, vous ouvrez votre mail, vous regardez vos mails et vous avez reçu déjà votre équipement. Sauf que là, ça avait pris un peu plus de temps et j'avais bien acheté une Pandora's Box qui était pas chère du tout pour la revendre ensuite. Et je crois que c'était ça que j'avais acheté à la place, mais non, mais non. Donc, ça, c'est l'équipement que je viens d'acheter. Donc, ça, c'est bien pour ma classe. Niveau requis 23. Acolyte Prest Monk, donc c'est plus efficace que ce que j'avais déjà auparavant. Voilà. Dès que vous regardez un équipement, quel que soit l'endroit où vous êtes, que ce soit pendant que vous êtes en train de dropper, que ce soit aux enchères, que ce soit dans votre inventaire ici, ça vous met le descriptif de l'équipement, ses stats, pour quel level, pour quelle classe, etc. Et ça vous mettra toujours à côté. Là, je ne vais pas le vous mettre parce que ouais, dès que je bouge la flèche, ça s'en va. Ça vous met à côté l'équipement que vous portez, vous, pour voir si l'équipement est mieux ou moins bien. Ça, c'est assez sympa, c'est très très pratique. Donc ici, je le reçois. Voilà, je l'ai reçu. Le mail ne me sert plus à rien. Est-ce que... Voilà, ici, je vois mon perso. Hop, j'ouvre l'inventaire. Et je crois que c'est ça. Non, alors c'est ça. Non plus. Il est là. Voilà. Bah, je suis déjà un peu plus assorti. Il me reste qu'à changer je crois, les gants et le chapeau. Le chapeau, voilà, c'est level 20, donc je peux sûrement trouver mieux. Mais non, non, ah non, les gloves, les gants, c'est pour mon niveau. Ça c'est 23, 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 et ça c'est 20. Voilà, Idjir. Je n'ai pas trouvé pour mon niveau. Donc c'est important à chaque fois que vous passez un niveau supplémentaire de prendre le stuff, l'équipement, les armes qui sont pour ce niveau-là. Ça, c'est ça vraiment qui fait la différence au niveau des combats, vous serez beaucoup plus combatif. Enfin, beaucoup plus combatif, non, c'est pas le mot, mais vous serez beaucoup plus performant. Voilà, j'ouvre, hop, une Pandora's Box. Qu'est-ce qui va en sortir? Et voilà. Et bah, ça, c'est pourri. Tout ce qui est nourriture. Alors, niveau requis 30, donc ça, je peux pas utiliser pour l'instant. Voilà, c'est pratique. Nourriture légendaire. Ça vous augmente de 15 points votre défense, votre attaque. Enfin, ça vous booste pour une durée limitée. Et ça, je trouve ça vraiment dommage d'avoir dans le jeu des objets à durée limitée. Je trouve que ça n'apporte vraiment pas grand-chose. Ça, c'est pour 60 minutes, pour 1 heure. Ça augmente bien, hein. C'est pas le problème, mais c'est à durée limitée. C'est vraiment dommage. Voilà, la box est ouverte. Qu'est-ce que je peux vous montrer de sympa aussi? C'est la téléporte. Vous avez en ville et sur les maps ce petit personnage-là, une fille avec un espèce de balai, qui vous téléporte sur votre map, sur la map où vous êtes déjà. Pas celle-ci, ce personnage qui s'appelle Cafra Easy, voilà, Flying Transportation Service, vous téléporte sur votre map à différents endroits. Et j'aime bien la petite animation, parce que vous montez sur son balai, ça a un coût à chaque fois de ici 30 rupies. Voilà, là j'aime beaucoup. Vous êtes assis derrière, vous croisez les bras, vous pouvez rien faire, vous pouvez pas utiliser de skill ni rien. Et ouais, j'adore, elle vous fait voyager. C'est super. Ah, j'ai beaucoup aimé. Alors là, je crois que c'est un bug ça. Elle m'a déposé en l'air. Ah non, 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 non. Normalement, vous atterrissez parfaitement bien. Je vais la refaire. Hop. Normalement, elle vous dépose par terre. Hein. Elle vous jette pas au bout, en plein milieu du trajet. C'est la première fois que ça m'est arrivé ça. Peut-être c'est aléatoire. Peut-être c'est un risque à prendre. Je n'en sais rien. Là, normalement. Non, là c'est bon. Elle m'a déposé au-dessus du sol, mais ça m'a pas fait de dégâts. C'est un peu bizarre ça quand même. Hein. Bon, c'était marrant. Et il y a une autre Cafra qui est plus loin, donc
Là, vous avez l'hôtel des ventes, si jamais vous ne l'avez pas vu. Le CAFRA qui vous transporte, qui peut vous transporter beaucoup plus loin, mais c'est aussi plus cher. Alors, elle est ici là-bas, Long Range Flying Transportation Service. Alors, elle est vachement jolie. Je voulais vous la montrer. Hop là, vous voyez. Elle a un balai beaucoup plus impressionnant, avec une tête d'aigle. Elle a un petit. C'est pas un boomerang, ça c'est un, je crois, un ma. Il a des ailes, donc c'est un archangeling, je crois. Hop. Elle s'ennuie un peu sur. Elle s'ennuie un peu en attendant que quelqu'un vienne la solliciter. Donc, et voilà, elle peut vous emmener beaucoup plus loin, dans les endroits de la map ou dans une autre ville. Alors au niveau des villes, vous voyez Pantera, Alberta. Vous avez alors Isulde et Paillon, ce sont des zones où en fait c'est dans l'histoire du jeu, il s'est passé quelque chose au niveau de la ville. Vous n'avez plus accès aux villes, donc c'est un peu dommage de ne pas avoir ces villes-là. Vous avez juste une zone qui porte le nom et des petits villages. Vous n'avez pas une grande ville comme ici à Pantera ou Alberta. Alberta qui est superbe aussi comme ville. Je vous la montrerai dans une autre vidéo. Là, vous pouvez choisir. Si je veux aller sur Alberta, ça me coûte un zénith. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Mais ça vous fait gagner du temps. Voilà, ça vous fait gagner du temps contre de l'argent. Et l'animation est très, très sympa. Une petite cinématique quand elle monte sur son balai, quand vous vous envolez, voilà, avec l'archangeling, qui est son familier. Voilà, on va appeler ça comme ça. Allez, voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Et allez, salut, salut.